Tu veux passer de ça à ça? Bouge pas, j'ai la solution pour toi. Salut à tous, aujourd'hui je teste pour vous la nouvelle polisseuse à batterie phare éclat en mode rotatif. Va-t-elle être capable de supprimer tous ses défauts? Allez, reste avec moi, c'est parti pour le test. Dans un premier temps, avant de faire le test, honnêtement, on va dire qu'elle est extrêmement bien finie contrairement à d'autres polisseuses que j'ai pu tester récemment. On est sur une excellente finition, on est sur une machine plutôt bien équilibrée. Seul petit bémol, la batterie, mais on est honnêtement à l'utilisation, c'est pas gênant. Le fait que ce soit une 5A et que ça soit légèrement déporté, du coup la machine manque un petit peu d'équilibre, mais ça reste une machine très agréable, extrêmement maniable. Toujours super bien fini, prise en main très agréable, un plateau souple pour leur process qui est très spécifique. Allez, c'est parti, on fait la démo en vidéo. Donc là, comme tu peux constater, on est face à d'énormes défauts. On va voir tout de suite ensemble si c'est possible de les supprimer grâce au G360 et à cette machine à batterie. Donc dans un premier temps, je vais l'activer en vitesse 1. Machine silencieuse, extrêmement maniable. On valide le test produit. Donc là, on utilise un IPA pour dégraisser la zone. Comme on peut constater sur la zone, il ne reste que des marques de pad. On a supprimé tous les défauts profonds et voilà le résultat. Donc, en conclusion, c'est une excellente machine qui va te permettre de travailler facilement, sereinement, sans câble. Si ce genre de test produit t'a plu, je t'invite à t'abonner, à la liker, la partager à un ami, ça peut lui servir. À bientôt.